Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Alors excusez-moi par avance, on n'est pas dans le même décor que d'habitude. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait plusieurs vidéos que je vous filme où malheureusement je ne suis pas dans mon décor qui fait un peu plus youtubeuse que celui-là. Mais en fait, pour tout vous expliquer, on a décidé de se confiner dans notre résidence secondaire dans laquelle on a lancé de gros travaux. Et c'est vrai que je suis plus en mode jogging, poussière, qu'en mode sac à main, etc. Mais bon, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un sac qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et confinement oblige, j'ai dû commander sur internet. Alors vous savez que je suis plutôt pour les achats en magasin. Mais alors d'une part, j'avais déjà été voir au Galeries Lafayette de Biarritz et au magasin de Biarritz, enfin au point de vente de Biarritz, mais il n'était pas disponible. Donc je l'ai commandé sur internet et c'est parti, on le déballe ensemble. Celles qui ont déjà vu cette vidéo savent de quel sac je veux parler. Donc en fait j'ai passé ma commande sur le sac donc The Couples, niveau expédition c'était hyper rapide et pour info il y a actuellement, enfin il y a quasiment de façon permanente un cashback avec le site iGraal. Donc si vous connaissez pas iGraal, c'est tout simplement une extension que vous téléchargez sur votre ordinateur et qui vous propose des promos, des codes réduction déjà sur les sites internet et ce qu'ils appellent des cashbacks, c'est-à-dire de l'argent qui vous est reversé sur votre compte, un pourcentage de votre panier que vous achetez chez un revendeur partenaire. Et par exemple chez The Couples, je crois que c'est, alors c'est pas des gros montants, je crois que c'était 2% de votre achat, mais ça coûte rien, c'est gratuit, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Si vous voulez utiliser mon lien de parrainage, ça vous permet de gagner 3 euros directement à l'ouverture de votre compte iGraal. Et c'est totalement gratuit. Voilà, donc petite parenthèse fermée, on revient sur mon nouveau petit bébé. Alors, l'expédition a été ultra rapide, puisque je crois que j'ai commandé le mercredi et j'ai été livrée le samedi. Donc, livraison, j'ai pas gardé le carton, mais l'emballage était parfait. Voilà, c'était hyper bien soigné, vous avez une petite carte The Couples, merci pour votre commande, bon, tout ce qu'il y a de plus simple. Et dans son petit pochon, comme ceci, roulement de tambour. Tadam ! Alors, c'est le sac Emily. Qui est ultra connu et ça c'est une nouveauté de cette année. Donc c'est la version mini qu'ils ont sortie en argenté. Alors, je pense que ça va même vous éblouir. Je vous ferai des petits close-up, mais voilà, je suis ultra contente de ce petit sac. Donc vous avez l'ouverture, hop, juste ici. Donc il y a un petit, une petite protection et ensuite vous avez la hanse qui est juste là, qui est elle aussi filmée. À l'intérieur vous avez, hop, des poches à soufflet, donc 3 poches. Plus une petite poche zippée et oui, une petite poche enveloppe derrière aussi. Vous pouvez glisser une carte de crédit ou quelque chose comme ça. Donc je le trouve hyper beau. Seul petit bémol, encore une fois, c'est qu'il me paraît très petit. Mais il n'existait pas en format médium, sinon je l'aurais vraiment pris en format médium. Je pense que c'est un peu moins joli porté crossbody, mais ça me correspond mieux en termes de taille sur le sac à main. Mais on va regarder ensemble si tous mes essentiels de mon sac à main rentrent dans ce sac ou pas. Donc tous les petits angles sont protégés. Alors dites-moi en commentaire si vous avez le sac Emily The Couples, parce que j'ai déjà eu des retours de certaines d'entre vous qui m'ont dit que effectivement tous les angles s'abîmaient très vite et le fermoir s'abîmait lui aussi très vite. Bon, moi vu le nombre de sacs que j'ai, l'avantage c'est que je fais une rotation avec et que à mon avis je veux pas forcément beaucoup l'abîmer, mais voilà, je l'ai trouvé tellement mignon en coloris argenté, il est trop choupinou. Donc on va regarder ensemble si je peux mettre mon petit portefeuille, mon paquet de mouchoirs, hyper important, mon portable. Alors ça c'est le truc qui me ferait renvoyer un sac si mon portable n'était amené à ne pas rentrer dedans. Et je crois même qu'il rentre dans la toute petite poche de devant. Oui, ça c'est cool, il rentre dans la poche ici, c'était pas prévu au programme. Et ma petite trousse de mes essentiels, on va dire,
qui me servent pas toujours à grand chose, mais que je préfère avoir sur moi, de la poudre, un mini déo, une crème pour le jour, une crème solaire, etc. Et bien écoutez les amis, ça m'a l'air de rentrer. Bon, en forçant un peu, en tassant un peu, mais il n'est pas si petit que ça. Hein. Alors, ça ferme. Bon, après, je pense pas que ce soit l'idéal parce qu'il est quand même très gros sur le côté. Mais je pense que je vais enlever la petite trousse pour juste mettre mes essentiels. Et je pense que mon téléphone, je vais plutôt le mettre dans la poche du fond. Voilà, ici, pour laisser l'autre peut-être avec les mouchoirs ou quelque chose. Même pas, non. Vous voyez, c'est quand même assez grand à l'intérieur, hein, mine de rien. Et là, c'est beaucoup mieux, effectivement. Franchement, il est trop, trop beau. Trop, trop beau. Donc, il se porte soit à la main, soit canon. Elle est canon, elle aussi. Hein. Waouh. Alors, l'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir utiliser cette sangle sur d'autres sacs, notamment sur mes sacs noirs, qui des fois font un peu terne. Et dès que vous lui mettez sur un sac noir une bandoulière de ce style, d'une, ça change le style du sac, et de deux, ça donne un petit coup de peps au sac. Alors, je sais pas si ça se met là, ou si c'est à l'intérieur. Non, c'est bien là. Je vais vérifier sur internet quand même, mais je pense que c'est là. Oh, j'adore. Bon, alors voilà, c'était un peu pour me remonter le moral face à ma dernière expérience un peu ratée sur Vinted. Je vous remets juste là. Voilà, j'étais un peu le moral dans les chaussettes. Et moi, pour me remonter le moral, rien que tel que de m'acheter un petit sac à main. Puis quand vous êtes perdu dans la montagne, c'est cool aussi quand vous recevez un colis de couple, ça fait trop plaisir. Donc voilà, le petit sac. Je vais vous faire un close-up aussi parce que je pense que vous voyez pas grand-chose. J'ai peur qu'il vous éblouisse beaucoup. Bon, il n'est pas des plus simples à filmer parce qu'il a plein de reflets. Mais voilà, il est vraiment argenté avec la petite poche enveloppe sur l'arrière. Lui aussi argenté. Comme vous voyez, il est également tout argenté à l'intérieur. J'adore. Franchement, il est trop trop chouette. J'adore. Bon. Donc voilà, c'était le petit déballage de mon sac Emily The Couples. Donc si vous êtes intéressé par le sac, ne tardez pas parce que je sais que c'est une édition limitée. Ils me l'ont dit en magasin et ils n'ont pas fait beaucoup beaucoup d'exemplaires. Donc voilà, après c'est une ligne qui garde et qui n'est... Je crois qu'elle n'est jamais soldée, si je dis pas de bêtises. Le prix de base du sac normal est plus élevé que celui-là, donc j'étais plutôt contente de l'avoir payé. Je vous ai même pas dit le prix, mais il est vendu au prix de 295€. Voilà, donc ce qui est assez correct, on va dire, pour un sac de cette qualité. Je sais que The Couples ne fait pas l'unanimité au niveau des sacs à main, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis très contente de tous mes sacs The Couples que j'ai jusqu'à présent. Donc voilà, et puis au moins j'ai acheté sur le site en direct, on est sûr qu'il n'y ait pas de contrefaçon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi, parce que voilà, on grimpe au niveau du nombre des abonnés et c'est hyper cool, j'adore discuter avec vous. Donc ça fait toujours plaisir, laissez-moi un petit commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je vous mets quotidiennement des stories. Je poste pas forcément des looks, mais des fois je vous demande vos avis sur les sacs que j'ai, je garde ou je vends. Donc voilà, je vous mets ma page Instagram juste ici, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !